Bonjour à tous, bienvenue à nos amis les Lions pour le tirage de la semaine. Semaine du 5 au 11 décembre 2022 pour les Lions, ascendant Lion, lune en Lion. On va regarder ce qui se passe pour vous. Vous pouvez bien sûr regarder aussi votre signe ascendant, votre signe lunaire pour compléter ce tirage de la semaine. Je le dis, pour ceux qui ne savent pas, le signe ascendant peut parler beaucoup plus que le signe solaire pour les plus de 40 ans. Essayez une fois de le faire. Alors, on va regarder pour ce tirage de la semaine une énergie avec le tarot. On va faire un tableau avec le petit Lenormand avec une lecture par ligne. Et puis ensuite, on va voir un petit conseil pour votre semaine ici. Conseil du jour. Quoi, les conseils? Une carte de conseil, je ne sais pas comment il s'appelle. Vous verrez bien. Donc, les lions. On va regarder tout ça. Bienvenue sur les guidances de Chandra. N'hésitez pas à vous abonner si vous appréciez les vidéos ou si vous voulez soutenir la chaîne. Et puis, si vous désirez une guidance, n'hésitez pas à m'écrire sur le mail qui est sous la vidéo. Vous avez aussi les produits Essence Mana pour les fêtes, les liens mail qui a 20% de promo actuellement. Lion pour la semaine du 5 au 11 décembre, Lion. Ascendant Lion, lune en Lion. Quelle est l'énergie pour la semaine du 5 au 11 décembre 2022? 5 au 11 décembre 2022 pour vous, les Lions. Quelle énergie cette semaine? Ça peut beaucoup parler ou correspondre au mois passé, au mois futur. Donc de décembre, n'hésitez pas à les voir. C'est des énergies, c'est des suppléments d'information. Les énergies sont les mêmes. On a la mort. Mais la carte de la mort, elle est jolie ici dans cet oracle, dans ce tarot, pardon, parce qu'elle représente la renaissance. Il y a un renouveau pour les lions cette semaine. On recommence quelque chose. Il y a quelque chose qui renaît après s'être terminé. C'est une relation sentimentale, c'est un déménagement, c'est un nouveau mode de vie, un nouveau travail, un nouvel état d'esprit. Il y a une renaissance pour vous, les lions, cette semaine. On a réglé certaines choses du passé. Alors, on va voir que le petit Lenormand. Bonjour le chat. On a eu une tempête cette nuit, c'était assez hallucinant. Il y a plein d'eau partout, sur les îles, sur des maisons qui ne sont pas faites, pardonnez, pour supporter de l'eau. Alors, je ne vous dis pas. Bref. Les lions. Ascendant lion, lune en lion, semaine du 5 au 11 décembre 2022. Lion, ascendant lion, lune en lion, votre semaine du 5 au 11 décembre 2022. Qu'est-ce qui se passe pour cette semaine, les lions? 5 au 11 décembre. Alors, il va falloir agir. En tout cas, la coupe nous dit, l'énergie de l'homme, c'est l'action. Il va vous falloir agir, mettre des choses en place. Voilà, pour ce renouveau qui vous attend, hein, le soleil. Donc, pour quelque chose qui va s'améliorer dans votre vie. Mais on nous dit que vous faites quand même du souci. Ça peut correspondre vraiment au tirage du mois de décembre. J'ai l'impression des fois que je me répète, c'est fou. Mais on se fait un petit peu de soucis de mouron. Parce qu'il y a encore des choses qu'il va falloir solutionner. Tout n'est pas mis en place totalement par rapport à ce renouveau qui est actuel dans votre vie. On va faire ce tableau. Lion, énergie du 5 au 11 décembre. Lion, 5 au 11 décembre. Ça passe trop vite. Voilà, on est en fin d'année. C'est passé. Bientôt, hein, reste pas beaucoup de 2-3 semaines là. 5 au 11 décembre, j'espère que je n'ai pas dit novembre, pour vous les lions. On commence par en haut, on va faire par ligne. Alors, on dit que la chance est présente cette semaine avec vous. Donc, saisissez ces opportunités. Quand on a dans une semaine l'étoile, la chance ou autre, elle nous sert à saisir les opportunités, à entendre ce que des personnes viennent nous dire, à prendre les conseils qu'on a. On a la chance. Donc, il faut agir comme on a eu l'homme avant pour faire avancer notre situation actuelle.
Ça concerne ici soit le travail ou vous êtes rusé. Alors, c'est un peu ambigu. Ça peut nous dire, il y a une chance par rapport au professionnel qui arrive malgré tout parce que ça, il y a quelque chose qui vous crée du souci au niveau du travail. Vous prenez la tête au niveau pro, peut-être de savoir comment vous voulez recommencer, où est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous voulez faire. Il y a une certaine chance qui est présente. On va dire que c'est le domaine professionnel. Vous allez recevoir du courrier. Ça peut être cette semaine, la semaine prochaine. Il y a des nouvelles qui arrivent, des papiers d'administration. Carte du centre. Alors là, on a l'énergie du mal. Alors, tout à l'heure, l'homme, c'était plus vous le consultant. Là, l'énergie ben, du mal, c'est aussi l'énergie de l'homme, c'est l'action. Il y a une nécessité d'agir. Ça, c'est l'énergie du mal avec la corne d'un cerf. Il vous faut agir. Donc, l'autre carte était le consultant, ok. Par rapport à une situation ici qui a de la valeur à vos yeux. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une fin, il y a un renouveau professionnel, mais qui vous fait encore souci, vous ne savez pas trop comment le faire. Il y a un renouveau peut-être par rapport à un contrat, il y a des lettres ici qui arrivent, mais il va falloir vraiment prendre les choses en main. Comme la carte de la force ici, faut prendre les, il faudra agir, saisir les chances, les opportunités ou les propositions que l'on vous fait, parce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur vraiment ici. Vous aurez peut-être de l'aide de vos amis sur des difficultés. Oui, vraiment sur une situation à laquelle vous tenez beaucoup. Là, il y a une aide de vos amis, une aide de personnes sur des problèmes. Il y a quelques problèmes quand même cette semaine qui sont là, où il y a eu des problèmes. On va faire une lecture différente. Il y a une chance à saisir, à agir. Entendez bien, agissez. Parce que la chance est avec vous cette semaine. Ça vous prend la tête, une situation ici, avec les souris, vous ne savez pas trop comment agir, visiblement pour une renaissance. Pour moi, c'est la profession, hein. Vous voyez, c'est une des seules cartes qui a plus ou moins de la couleur, les renards. Où il vous faudra user d'intelligence par rapport, d'intelligence, de force par rapport à des soucis, des problèmes qui sont encore présents, qui peuvent concerner une situation qui vous tient à cœur vraiment ou par rapport à une relation sentimentale. La couronne, c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous. Le cœur, c'est une situation sentimentale ou une passion. On voit qu'elle a chance qui vient par rapport à un courrier ou par rapport à des nouvelles. Soit de personnes fidèles ou soit de certains amis. Mais vous faites pas mal de soucis hein, sur cette situation qui vous tient à cœur. Puis sinon, c'est au niveau du travail. Au niveau du travail, il va falloir agir pour dépasser une difficulté ici. Et où il y a la fin, on renaît au niveau professionnel. On a dépassé certaines difficultés. L'action, importance pour la semaine. Regardez votre tirage de décembre. Je pense qu'il était assez parlant au niveau d'un changement d'énergie chez vous, les lions. C'est assez complexe ici, votre tirage, parce que je ne sais pas si, bon, ça peut être les amis, ça peut être la fidélité, l'infidélité. Il y a eu de l'infidélité dans une relation sentimentale, peut-être. Il y a des nouvelles. Je crois que j'avais vu que vous allez reprendre une relation avec cette personne, vous allez agir ou envoyer du courrier parce que c'est vraiment quelqu'un qui est très important pour vous. La chance est avec vous, avec intelligence, vous allez régler cette situation. C'est aussi possible que ce soit une histoire de cœur ici et de fidélité ou d'infidélité qu'il y a eu que vous arriverez à régler. Cette semaine, il y a un renouveau au niveau sentimental. J'essaie de voir les différentes situations. De la chance qui vient ici par vos amis.
des nouvelles ou une explication qui vient par rapport à une infidélité, ça vous apporte la chance sur cette situation. On va voir le conseil que vous avez pour cette semaine, mes amis les lions, semaine du 5 au... Alors, je vous ai dit plusieurs choses, vous voyez comment ça vous parle. Et puis, il y a en tout cas un renouveau. Il y a un renouveau après des difficultés sur quelque chose qui est vraiment important pour vous. Saisissez les opportunités cette semaine, je vous conseille. Lion, ascendant, lion, lune en lion. Ouais, on vous dit de travailler sur vos énergies. Voilà, c'est les conseils, comme je vous ai dit, du jour que j'aime beaucoup. Réharmonisez-vous, réalignez-vous, posez-vous, méditez. Là, on vous dit vraiment, tu te disperses, tu penses à tout, à droite, à gauche. Hein. C'est ça les souris. Et ça ne permet pas toujours de trouver la bonne solution. Donc, posez-vous. Faites un nettoyage de vos chakras si nécessaire avec de la sauge ou des pierres ou une méditation. C'est ce qu'on vous conseille pour cette semaine, chers amis Lion. J'espère que ce tirage va vous parler et merci pour vos retours. Bonne semaine, chers amis. Au revoir.